petite vidéo pour vous dire que l'avancement du PC, ça a été un petit peu la galère, mais ça j'expliquerai un peu plus en détail éventuellement en live ou quoi. Donc ici c'est l'ancien, voilà, 5 ans et demi de bons et loyaux services, voilà, mais bien sûr il n'est pas en fin de vie, hein. Je vais le grader. Ici, dans normalement le mois prochain, je vais acheter un SSD, une nouvelle tour parce que donc, je vais changer de tour. Je vais prendre à peu près le même genre que celle que j'ai là, enfin, que la nouvelle. Donc le RGB à l'avant, avec un RGB à l'avant, un truc quand même assez classe. Et au niveau du matos, c'est exactement le même matériel qui repart dedans, donc carte mère, la carte graphique est encore suffisante, et tout et tout. Donc c'est un peu le bordel, hein, comme vous le voyez, parce que là c'est l'ancien PC, je suis en train de récupérer mes fichiers qui est dessus et tout. Donc ici, heureusement que j'ai deux écrans, hein, parce que ici, bon ben voilà, là c'est l'écran donc du PC qui est là. Voilà. Et ici, ben c'est la suite de l'installation du nouveau PC, du petit Windows, avec la magnifique fenêtre Windows, qui sera bientôt remplacée par ce magnifique fond d'écran, Stranger Things. Hein. Donc voilà, donc ça prend un peu place, heureusement que j'ai toujours du stock, hein, de clavier. Clavier, souris, voilà, et tout et tout. Et sinon, ben, le nouveau PC, ben, il a pris place. Hein. Voilà, comme vous le voyez, ça donne plutôt pas mal. Je vais vous refilmer un petit peu aussi sans le flash, hein, mais pour que vous voyez un petit peu ce que ça donne au niveau du RGB et tout. Donc voilà quoi. Par rapport au RGB, bon ben là j'ai envoyé un mail à LDC. Est-ce que ces bandes de trop de balles, ils m'ont pas envoyé la boîte de la carte mère ainsi que la boîte de la carte graphique. Donc je vais pas les CD d'installation pour avoir le Aura. Normalement tout est fourni avec le matériel. Hein. Vous achetez une carte Asus, une carte SD ou une carte graphique ou une carte mère Asus. Vous avez les logiciels qui sont fournis avec enfin, via les CD tout simplement. Donc là ici j'ai poussé un petit peu ma brûlante par rapport à LDC parce que j'avais bien spécifié dans les personnalisations de montage qui devait envoyer toutes les boîtes. Le mec il m'a confirmé oui elles seront toutes envoyées. Et les seules que j'ai reçues, ben en fait elles sont là-bas quoi. Donc j'ai reçu la boîte du SSD, la boîte des RAM, la boîte concernant donc le bloc d'alimentation et celle du water cooling. Et j'ai reçu la petite boîte ici du Litian i9. Voilà cette magnifique petite boîte. Alors que logiquement. Bon, c'est un détail, hein, mais ça aurait été classe de l'avoir dans le setup. Normalement, j'aurais dû avoir la grosse boîte bleue. Voilà. Donc, moi, je trouve que LDLC, ben, ils font de moins en moins bien leur taf. Au niveau du montage, ça va. Franchement, il n'a rien à dire. Le cas management est pas trop mal fait. Il y en a déjà un qui m'avait dit, c'était sur Facebook, je crois, ou Instagram, je ne sais plus. Non, sur Snap. Sur Snap, il m'a dit pourquoi est-ce que ton Air Max, donc la pompe, ici est de travers. Bah, ici, ils n'ont pas eu trop le choix, comme vous voyez, les câbles, ils ont fait au mieux pour que la pompe, en fait, soit mieux. Enfin, pour que les câbles de la pompe soient le mieux passés. Passent le mieux, parce que pour pas trop les tordre, parce qu'il faut que ça ne soit pas tordu. Si ça se tord, ça peut casser, et ça peut avoir des fuites, et tout le bordel. Donc c'est pour ça que le Air Max malheureusement il n'est pas droit, il est en vertical quoi. Mais bon, ça c'est un détail, je préfère qu'il soit comme ça et avoir les câbles donc du water cooling bien mis correctement et éviter les fuites, éviter de cramer la carte mère ainsi que la carte graphique. Hein. Donc ça c'est pour moi c'est vraiment un détail, tant que le RGB fonctionne et que la pompe fonctionne bien, c'est vraiment le top. Et vous voyez, je vous ai fait une dédicace quand même, hein. Je vous ai encore laissé le gros bruit de fond. Du ventilateur, parce que ici ce PC là il est d'un silencieux mais phénoménal, mais vraiment phénoménal, c'est un truc de fou. Ça me change de ce PC là parce que celui là quand je vous assure que quand je commençais à jouer et streamer en même temps, c'était le char d'assaut quoi. Ici ça va parce que là il est entre guillemets au repos, il y a rien qui tourne dessus. Bah, là, il y a juste le système d'exploitation qui là qui tourne, mais sinon à part ça, voilà quoi. Et ça me fait quand même bizarre, hein, franchement, pas de lui dire au revoir, parce qu'il va encore me servir, il va me servir plus de tour multimédia, et aussi me servir aussi pour éventuellement relancer des lives sur la chaîne de Terminator Bot.
Donc, ce que je pense peut-être faire, bah, tant qu'on peut encore, lancer des lives fait à pub pour aider. Si ça peut aider quelques personnes encore, ben, je le ferai, mais ce sera uniquement sur la chaîne de Terminator Bot. Donc, pour ceux qui veulent passer, faire une petite pub ou quoi, ben, ce sera sur la chaîne de Terminator Bot, tout simplement, via ce PC-là. Et puis après, ben, on verra pour éventuellement mettre en place compteur automatique et tout ce qui va bien sur la chaîne de Terminator Bot. Donc, voilà les potos. Petite vidéo express, hein, vraiment fait un petit peu à l'arrache. Et puis bientôt il y aura encore du changement au niveau du setup. Je compte bien sûr éventuellement remplacer le clavier. Parce que celui-ci, bon, c'est vraiment un clavier misérable, il bug à mort. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais reprendre celui-là pour le, enfin, en stock et me racheter, mais ce sera pas vraiment pas pour tout de suite, me racheter un clavier un peu plus, on va dire un peu plus classe entre guillemets. Parce que je suis pas joueur clavier souris, donc. Clavier mécanique, je n'en ai pas forcément besoin, donc tout ce qui est Corsair et tout ça. Mais reprendre en RGB, ouais, ça certainement, parce que c'est quand même bien pratique pour voir les lettres et tout. Il aura peut-être aussi un upgrade au niveau de la souris, peut-être. Et cette souris-là, ben, repartira en bas. Et puis, voilà quoi. Puis en même temps, ben, ça vous permet de revoir un petit peu l'envers du décor hein, quand je stream. Donc voilà, double webcam, les amis. Ma webcam de stream qui est là, donc ça c'est la C922 pour ceux qui se demandent la référence. Et à côté c'est la C920, donc c'est la toute première webcam que j'ai acheté. Et elle me sert encore vraiment pas mal des fois quand. Parce que j'ai un logiciel qui me permet de streamer avec ma webcam ici, voilà, avec cette webcam là. Et par exemple, si on m'appelle sur Skype ou sur Facebook ou en visio ou quoi, eh ben, je peux passer tout simplement sur la deuxième webcam, comme ça le. J'ai une webcam à part quoi, pour faire d'autres trucs à part et tout ça en même temps que je suis en stream. Et tout ça, on peut le faire grâce à Manicam. Pour ceux qui ne connaissent pas Manicam, c'est le petit logiciel qui est juste là. Manicam, ça vous permet d'ouvrir plusieurs webcams. Bon, ce que je fais, j'ouvre le stream avec Manicam, comme ça c'est cette webcam là qui est prise en compte. Et ensuite, dans les réglages de Facebook et tout ça, ben, je mets ma cam en secondaire, donc celle-ci qui est là en normal. Et comme ça, quand on m'appelle sur Facebook ou quoi, ben, c'est directement géré par l'autre webcam tout simplement. Donc voilà quoi. Mais voilà, sinon les amis, ben, il me reste encore beaucoup, beaucoup de choses à installer. Hein. Là ici, j'ai vraiment installé ce qui, enfin, le plus important, donc quelques logiciels et tout ça. Après, j'ai des mises à jour. Après, maintenant, il me reste tout ça. Encore tout ça à installer. Bon, ici, c'est des petits dossiers, des fichiers texte et tout ça que je dois remettre sur le PC. Mais bon, ça va. Ça avance vraiment bien. Donc c'est vraiment cool et normalement fin de ce mois-ci je vous ferai une vidéo. Enfin si ça vous intéresse, mettez-le moi dans les commentaires de cette vidéo-là. Si ça vous intéresse que je vous montre le démontage de cette tour-ci, ainsi que le nettoyage, parce que je vais en profiter pour la nettoyer un peu. Et quand je la remettrai dans la nouvelle tour et quand je vais installer le nouveau SSD aussi et tout. Donc mettez-moi ça dans les commentaires de cette vidéo-là, si ça vous intéresse que je vous filme ça ou pas. Ou peut-être que je le filmerai quand même, mais je voudrais quand même avoir votre avis si ça vous intéresse ou pas. Voilà les amis. Donc moi je vais continuer mon installation. Tranquille. Tranquille, tranquille. Comme vous voyez, j'ai aussi des mises à jour à faire. Hein. Voilà. Ah oui, un truc très important pour ceux qui veulent créer une clé bootable. Donc une clé USB bootable, ne passez surtout pas par l'utilitaire de Windows. Prenez-le juste pour faire une ISO, donc une image ISO de votre système, enfin de Windows 10 familial, pro, enfin bref, peu importe. Et après, pour l'installer, donc pour faire une clé bootable, prenez Rufus. Vous allez gagner un temps incroyable. Moi, j'ai essayé avec l'utilitaire Windows. Ça a planté 4 fois. Et j'étais voir sur un forum donc d'entraide informatique donc sur YouTube, sur Facebook, pardon. Et quelqu'un m'a dit, prends Rufus, tu vas voir, ça va aller tout de suite. Et ben, en effet, en prenant Rufus, ça a été directement, la clé était reprise en compte avec le Windows dessus et tout. Ça s'est installé à une vitesse effroyable parce que le SSD, franchement, ça change la vie, c'est un truc de fou. Là, avant, avec ce PC-là, ben, donc celui-là, quand je faisais un démarrage, j'avais le temps d'aller de descendre en bas, d'aller me faire un café et tout. Je remontais, il n'était pas encore allumé.
Ici, j'ai même pas le temps de lever mon cul de mon siège, que le PC il est démarré, quoi. C'est un truc de dingue. Donc, gifle les SSD, quoi, franchement. Et bien sûr, un petit disque dur classique pour le stockage, pour pas trop travailler sur le SSD. Parce que les soucis des SSD, en fait, c'est que c'est quand même relativement fragile. Bon, maintenant, ils ont amélioré quand même un petit peu le système. Mais c'est de la mémoire flash, hein, donc c'est à peu près la même mémoire qu'il y a dans les clés USB. Donc à force d'installer dessus et de supprimer, de réinstaller et supprimer, ça peut cramer les cellules. Et malheureusement, ben, un SSD n'est pas, n'a pas le, ses cellules. C'est pas comme le corps humain, il ne peut pas recréer ses propres cellules. Donc malheureusement, ben, au bout d'un moment, ben, il lâche. Et ça, c'était le gros souci des SSD à l'époque. Bon, maintenant ici, c'est un peu mieux. Ils ont des vies beaucoup plus longues. Mais c'est quand même mieux d'avoir quand même un disque dur classique, hein, donc en SSD, en SATA, mais de stockage, quoi, donc un HDD tout simplement. Donc ici j'ai pris un SSD d'un Tera, parce que j'ai quand même des gros logiciels à installer, mes logiciels de montage, au niveau du. Enfin pas de montage, mais des trucs des instrus, tout ça, j'ai pas mal de. Ça prend quand même pas mal de gigas et tout. Là, rien qu'ici, les petits trucs que j'ai installés là, il y a quasiment 150 gigas et j'ai même pas le quart de ce que je dois mettre dessus. Donc voilà. Puis après, bah, les jeux vidéo, forcément, c'est beaucoup mieux aussi sur un SSD, c'est beaucoup plus rapide au chargement et tout. Donc voilà. Donc je vous dis à la prochaine, les amis. Allez, ciao, ciao. Bientôt en live.